quand vous voyez les bombes qui tombent, alors là, on les voyait bien. Hein. Vous entendiez un sifflement. Quand vous entendez le sifflement, ça faisait zou, et boum, la bombe qui tombait. Je jure, hein, ça fait drôle. Ça fait drôle. Il y avait des abris, oui. Il y avait des abris de fortune, parce que les gens se cachaient dans leurs caves, pensant être en sécurité. Et je pense qu'à Antony, ça a été quand même bien protégé. Les bombardements étaient surtout sur Massy-Palaiseau, parce que c'était une gare de triage où il y avait énormément de soldats. Et à l'époque, tout ce qui était recherché, c'était le bombardement des régiments. Je demeurais sur la Nationale 20, et comme on demeurait en hauteur, on voyait les bombes tomber sur Massy-Palaiseau. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de bâtiments, ceci, cela. Ça a été pour moi un moment terrible, parce qu'à l'époque, j'habitais Massy, et ma maison où j'habitais, dans un quartier, a été bombardée. Je me souviens m'être mise à plat ventre avec mes parents, mon frère, qui avait très peur. Près de moi, pas très loin, une dame a été tuée. Dans le quartier de Massy, qu'on appelait Vilaine, une bombe est tombée sur un abri de fortune où il y avait 25 personnes qui ont été tuées, toutes. Et combien comme ça? Donc un jour, j'étais avec ma mère dans la cour, et puis qu'est-ce qu'on sonne à la porte. Et ma mère va ouvrir, et il y avait un voisin. Puis il dit, dis donc, Mme Verneau, ce monsieur-là, il t'a accompagné d'un monsieur qui sonnait derrière lui, qui disait rien. C'est un aviateur anglais qui a été abattu. Comme vous avez un jardin, vous n'auriez pas quelque chose à lui donner à manger. Ma mère me regarde, fronce ses sourcils, et quand ma mère fronçait les sourcils, je savais ce que ça voulait dire. Elle dit non, j'ai rien du tout, foutez-moi le camp. Vous savez bien que je porte automarché, allez hop, dégagez tous les deux. Et elle referme la porte. Et elle m'a dit, je suis sûr que ce type-là, c'est pas plus aviateur anglais que moi, c'est un boche qui cherche à prendre les gens qui aident les aviateurs ou les résistants. Et donc elle s'est méfiée. Elle me dit, je suis sûr que c'était qu'il voulait me prendre. Puis elle avait des remords quand même, elle me dit, oh, et si ça avait été vraiment un aviateur anglais que je lui donne rien quand même. Oh, avec mon père, on dit, oh, écoute, arrête, hein, on a dit que c'était un Allemand, et puis c'est tout. Puis les années passent, ma mère est morte, elle est morte plus ou moins avec ses remords. Et puis, Madame Firino, que tout le monde connaît à la mairie, publie une revue qui s'appelle Antony d'hier et d'aujourd'hui. Et pour le cinquantenaire de la libération d'Antony, elle publie une lettre d'un des fils Meurdrat, dont la mère a été déportée avec 5 personnes, et même Émile Lévesque, le secrétaire de mairie, hein, qui se sont fait piéger comme ça par un soi-disant aviateur anglais qui était chez Marius, le café des sports. Moralité de l'affaire, il y a 5 personnes qui sont mortes en déportation, dont le secrétaire de mairie. Alors, ma mère l'a échappé belle ce jour-là. Alors ça, je vais vous dire une chose, c'est que Antony, j'ignorais qu'il y avait des résistants. J'ignorais qu'il y avait eu la rafle des Juifs. On a tout... Vous vous rendez compte qu'on avait 24 ans, on ne savait pas qu'il y avait des Juifs qui avaient été déportés et on ne savait pas qu'il y avait des résistants. Donc, si vous voulez, Antony, on était vraiment... Pourtant, on n'était pas loin de Paris. Mais tout était secret à l'époque. Si, j'en ai connu un qui demeurait rue des Hautes-Bièves. C'était un ami de mon frère. Je sais qu'il était dans la résistance, c'est tout. Vous savez, il y en avait pas mal, Antony, finalement. Hein. Ah oui, il y en avait. Hein. Ah oui. À la résistance,
Oui, il y avait des résistants, bien sûr, mais là, je ne peux pas m'attarder parce que pour moi, les résistants, à l'époque, j'étais jeune, j'avais peur. J'avais peur des résistants. Je me disais, mais que sont-ils, ces gens-là? Ils sont armés. Mais pourquoi sont-ils armés? Je ne me rendais pas compte que c'était pour défendre la France et les régions de France. Et un de mes frères aussi, René, mes deux autres frères, ils étaient comment? Réfractaires, maquisards, on appelait. Hein, c'est ça? Réfractaires et maquisards. Réfractaires et maquisards, donc. Donc, il y en a un qui était dans la Sarthe. Qui c'est qui était dans la Sarthe? André. André. Il était dans la Sarthe. Maurice, il était à côté de Romilly-sur-Seine, qui s'appelle Fontaine-Denis, exactement. Et mon frère René, par contre, le plus jeune, a fait FFI à Antony avec mon frère, avec mon père. Notre père. Enfin, notre père. Qui est 12 ans. Non, c'est pas ça. Bon, bah, nous deux, on était trop jeunes, hein, mais... Bah, on était trop jeunes, oui et non. Mais on faisait attention quand même à ce qui se passait, malgré tout. Quand on les entendait, je sais que quelquefois, ils revenaient tard dans la nuit, ils avaient été faire dérailler un train. À quel endroit, ça, je ne peux pas vous dire. Il y avait plusieurs mouvements. Les FFI, ça s'est fait presque à la Libération, de façon à regrouper toutes les ententes. Il y avait le MLN, le Mouvement de Libération Nationale, il y avait Libération, il y avait... Les FTP, Frontières Partisans, il y avait tout ça, c'était des petits noyaux qui se sont formés tout seuls. Personne n'est venu dire taper à la porte, dire on va faire de la résistance. Non, ils se sont mis à résister d'eux-mêmes. Alors comme c'était des petits noyaux, alors à un moment donné, il a fallu quand même réunir tout ça, que De Gaulle a fait d'ailleurs, et c'est là qu'ils ont fait les FFI, c'est-à-dire les forces françaises de l'intérieur. Mais il y a eu beaucoup de pertes dans la résistance. Il y avait malheureusement aussi des gens qui étaient, on appelait ça des collaborateurs, qui étaient plutôt du côté de l'ennemi que du côté des Français. Et il y a eu beaucoup de discordances entre Français à ce moment-là. Je me rappelle que à la Libération, tous les résistants, ils ont pris les femmes qui allaient avec les Allemands, quoi, bien sûr. Hein. Pendant la guerre, c'était ça. Hein. Et je me rappelle qu'ils leur coupaient les cheveux et tout. Je me rappelle de ça. Je le sais parce que j'avais la sœur d'une copine, justement, qui a subi ça. C'est pour ça que je suis bien au courant. Il a fallu... L'arrivée des Anglais, le 6 mai 1944, pour pouvoir pourchasser les ennemis. Cette invasion a duré plusieurs mois, plusieurs combats dans tous les centres de la France, sauf dans le sud, où on appelait la zone libre. Enfin, est arrivé l'armistice en 44, fin 44, d'après mes souvenirs. Là, ça a été la joie, la libération de Paris. Sur la Nationale 20, Antony, avec le général Leclerc et tout son régiment. Vous savez, en deux jours de temps, en trois jours de temps, toute l'armée... Français, les Américains, tout le monde est passé. Alors on est descendu dans la rue, évidemment, c'était la fiesta, parce qu'on a été voir tous les soldats. Ils ont donné des cigarettes aux messieurs, parce que, et puis des portions de nourriture. Non, on était contents, parce qu'on voyait les chars arriver et tout, mais non seulement qu'à cette époque, j'allais dans un patronage. Rue des Hauts-de-Bièvre, là, il y avait un patronage. Non, c'était pas rue des Hauts-de-Bièvre, enfin bref. C'était chez les sœurs, oui, c'était chez les sœurs.
Et je me rappelle bien parce que le 25, j'étais au patronage. Et puis les sœurs, ils nous ont dit de partir chez nos parents. Mais ça fait drôle parce que vous voyez tous les Allemands qui se sauvent dans tous les sens. Dans les jardins, on les voyait courir. Hein. Ils se sauvaient, bien sûr. Des boutons bleu, blanc, rouge, parce qu'après la guerre, on mettait sur les robes des boutons bleu, blanc, rouge. Voilà. Non. Enfin, tout de suite à la libération, quoi. À la libération, oui.